Tu comme la Black Barbie. Barbie Black. Pink Panda. Cash now. Donc, donc là, là, c'est ta quoi là? La sauce. La sauce. La sauce. Ouais. Ça c'est le frère du yoga. Tu l'as vu qu'elle est en boîte. Ha. Hi guys, welcome back to my channel, it's me Dre, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première fois de passer par là et que tu n'es pas encore abonné, merci de t'abonner et d'activer la cloche de notification. C'est gratuit et c'est gentil. Maintenant, si c'est ta première fois de voir ma vidéo, tu vas sûrement te demander mais qu'est-ce que cela raconte, qu'est-ce que je fous ici. En fait, ça c'est la deuxième partie d'un vlog slash story time. Du coup, si tu veux voir la première partie, regarde juste en bas de description, il y aura le lien de la première partie là. Je t'invite à aller la voir, là tu vas mieux comprendre ce qui se passe dans cette vidéo. Et si c'est pas ta première fois de passer par là, tu es simplement la bienvenue. Alors j'espère que la vidéo va vous plaire et surtout je vous attends en commentaire. Je vous attends en commentaire et profitez de la vidéo en fait. Donc quand j'étais à Fumba, mon quotidien c'était... Mon quotidien c'était que chaque soir en fait on devait aller puiser de l'eau. Soit on quittait vers 16h, 15h-16h comme ça pour partir puiser ça chez une femme là-bas en route, là où l'eau coule, si l'eau et si l'eau coule. Soit la nuit on partait au Marigot. On partait au Marigot puiser. Donc j'ai puisé l'eau. J'ai puisé l'eau jusqu'à ma père est venue. Puiser l'eau jusqu'à elle. C'est comme ça quand on finissait de puiser l'eau, non. Mon corps me faisait mal. 4 ans que quelqu'un n'est pas parti au Marigot. 4 ans. Mon père disait que tu es devenu faible. Que tu es faible. Mon père avait la mal bouchiche. Que tu es faible. Je dis que mon frère, ça fait combien de temps que je n'ai pas. Oui. Elvira, viens. Là, le mal pour les sangs, ça va être aussi. Même. Et les tapas. La corruption est quand même. La pâtissière, ça pouvait pas aller. C'est que ça a déjà dit que mieux vous m'envoyez à la casse. Quand vous venez là, c'était presque à stresser. La pâtissière pas sur le sol. Quoi? Tu as fait le blanc là non? Quel blanc? Il y avait un blanc là dedans. Dans mon quoi? N'est-ce pas? Mais ça, son front comme son père. Pardon, c'est bien. C'est 400 là-bas. Mais. C'est bien. Okay. C'est même fait, ça donne des bien. Avec combien de boules comme ça? Là c'est chouette. Hé, mais c'est bien.
Toi, en même temps, tu vois comment la sœur est petite. Tu vois que puis Marie, ça avait trois boules. Vous avez dit que mon père ne me respecte pas. C'est ça, il était en train de repasser ses habits ici en paix. Bien, mais que. Dès repasser les habits là, je me repose. Ok, il se repose. C'est ça qui m'a demandé pourquoi est-ce que tu repasses les habits? Pourquoi est-ce que tu repasses les habits? Mon père le pressé. Non. Quand c'est chaud là-bas devant, il vient aider ici derrière. C'est pour ça qu'il repasse ses habits. Avant, je l'avais. Mais depuis que votre coin est benguiste, hey, qui va arrêter la bourse pour brosser la vis là? Je peux pas. Tout mon argent, tu es toujours comme ça. On va te dire là, tu remets là, tu veux trop ça. 6 000! Tu ne veux même pas. Tu fais toujours ça. Je vais te faire un peu. Bon, maintenant, après, on va passer au jour de fête, non. Le jour de fête maintenant, genre le jour de Noël et le jour de Nouvel An. C'est le jour là. Mon père se lève et qu'il va donner l'argent de nourriture. J'ai confirmé mon père. C'est le jour là qu'il se lève et qu'il dit qu'il va donner l'argent de nourriture. J'ai dit que ok, n'est-ce pas de l'argent de nourriture. On est parti faire les achats et tout. Aller au marché. Je vous mets les images en vidéo là-bas. Oui, j'ai la monnaie. On a fait les achats tout et tout, on est rentré, on a prêté les choses pour préparer tout ça. Je me rappelle, il y a même un, je sais pas, je pense que c'était le Nouvel An. Non, c'était Noël. C'était le jour de Noël.
N'est-ce pas, on était en train de préparer. Meunier. Meunier veut, elle montre que vous, qu'elle connaît trop le copeau et tout ça et tout ça. N'est-ce pas, je pars pour faire les fritures. Je commence à mettre. Mon père disait qu'il a faim. Et puis maintenant, il y avait un de ses amis qui était déjà venu, non, genre pour manger et tout ça. Vous connaissez le pays. Nous, tous, on connaît le pays. Et quand c'est le jour de Noël comme cela, ou bien le jour de Nouvel An, ou bien les jours de fête, là, il y a les gens qui ferment chez eux pour venir manger chez les gens. Je dis que le type là, il a mangé chez nous jusqu'à finir de manger, non, sortir, rentrer chez lui, aller à la maison, aller appeler sa femme et son enfant pour venir, pour revenir chez nous manger. Quand mon père l'a vu rentrer la deuxième, il a dit que, hey, je pensais que tu étais parti, non. Bah, tu bimoulais. N'est-ce pas, je voulais maintenant faire. Je voulais faire la banane tapée, non. N'est-ce pas, mais voilà, je commence à lancer la banane. Je commence à lancer la banane dans l'huile. Je lance. J'ai lancé. L'huile s'est versée sur mon visage. Et ah, Seigneur. J'ai crié là-bas. Regardez aussi ma petite soeur. Elle comprend comment je crie. Elle s'en foutait. Elle s'en fout carrément. Carrément. Elle ne vient même pas chercher à savoir. C'est qu'il y a cela où ma mère sort et tu dis, hé, il y a quoi ici là? Maman, elle me voit, je sors de ma chaîne. Mon œil avait gonflé comme ça là. Donc, genre, lui, il avait sauté, ça m'avait pris, je pense, ça m'avait pris déjà ce côté du visage en fait. Ça m'a brûlé là, c'est entré dans mon œil. Donc, imaginez, l'huile chaude entre dans votre œil. J'ai dansé le mât, pourquoi qu'elle n'a jamais dansé dans ma vie? C'est entré dans mon œil. Ça m'avait brûlé, genre, là, genre, tout ce côté de mon visage était gonflé en fait. Ma mère, ça m'a dit que. Pas prendre la pâte. Elle est venue. Comment ça a crié? Ma grand-mère aussi. Comme elle était aussi à la maison. Venue aussi. Comment ça va bader? Oh, 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 oh. Ça, elle a écrit. Vous êtes là. Donc, n'est-ce pas, elle a cherché la pâte. Elle a mis de la pâte sur ça. L'ami qui était là, l'ami de mon père qui est venu faire le doc. Il a dit qu'il faut aussi mettre le miel, ma fille. Il faut mettre le miel. Tout ça, c'était à cause de lui. Parce que s'il ne portait pas ces deux gros pieds là pour venir chez nous pour manger, c'est que je n'ai pas mis la banane au feu. Et que ce n'est pas sorti pour brûler mon visage. Après, j'ai eu l'honneur d'assister à l'accouchement de mes petites soeurs. Vous vous rappelez les deux filles que je vais mettre là? Ah, même bien. Et on a dormi bien, très bien même. À minuit là, mais tu attendais seulement partout. Pop, 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 pop. Tu es à la maison. Ah, vraiment. Tu es à la maison, ton cœur bat seulement. Tu n'arrives même pas à guetter même dehors parce qu'on dit que les démons vont te prendre. Ah, c'était malheureux là. Mais mieux encore pour nous que au moins c'est nous à la maison. Les gens comme la télé, c'est comme ça qu'ils étaient à l'hôpital. On va faire comment? Ouais, c'est malheureux. Bon, on voulait juste vous souhaiter une bonne année, un joyeux Noël. Comment on dit 2020. Bon. On a encore dit quoi, photo? Donc elles étaient enceintes et du coup elles ont accouché. Oh, les enfants étaient trop mignonnes. Moi je vais pas mettre les enfants des gens ici là. Mais je suis doublement tata. Et tu y as des lettres. Tata, en tout cas, elles ont accouché. J'ai eu l'honneur d'assister à leur accouchement. Et puis maintenant, de prendre soin d'eux. Et puis, il y avait les sorties avec mes petites soeurs. Et puis maintenant, on a encore fait quoi? Je vous fais un peu visiter Fumban. Baf, mais qu'elle fait mal. Voilà, Sandy, voilà, Adidas. Ça c'est quoi? Ça ressemble à Kenzo. Ça c'est Dior. C'est incroyable. Il savait pas qu'on fabriquait Balenciaga au Cameroun. Quand on venait à coucher ça ici, on propose ça à 15 000 gens. Alexander McQueen.
avec Louis Vuitton. Ah, vous savez, mais c'est fier. Voilà aussi Gucci là-bas en bas. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Nike. Voilà. Que c'est quoi? Balenciaga demi-saison, c'est pas où? Ah, c'est quoi Balenciaga demi-saison? Demi-saison, c'est ça, où est-ce que ça? Ah, bah, il y a ça, Balenciaga. Vous mettre à YouTube. Maman, je vais vous habiller. Venez vous filmer au palais. Ouais, maman, on a compris. C'est après, là. Oh, venez faire le match. Regardez comme je suis. Tiens, tu vas te la rigole là. Tu sais, c'est là. Yes, je vais te dire. Venez, on est derrière. Attends, il garde bien. Comment pas ça, on va être Ivan, allez acheter les feux pour le piston. Je vais les feux. Je vais les feux. Regardez tous les feux. Allez, achetez les feux, il y a un gars ici là. Vous m'embrouillez même, je laisse les gens pour vous prendre le port de porte. Il y avait les mariages, les samedis. Ah, les samedis, c'est comme si, donc je ne sais pas, c'est comme si c'est la course au mari au pays maintenant, c'est seulement la concurrence. Les Eba 52 mariages, Eba 48 mariages, Eba. Donc c'était 30 combien? Un samedi. Je ne dis pas que 48 mariages que les gens sont mariés pendant la semaine. Un samedi. 48 personnes se marient. 48 couples. Je pense que quand j'étais là-bas, le nombre le plus grand c'était 52. 52 couples un samedi. J'ai dit que yes. Ah maf, vous avez fini avec. Et sur 52 là, non, 90% c'est polygamie. Voilà, c'est pour être le thème de notre jour. Et quand les gens se marient là-bas, non. Ce ne sont pas les petits mariages qu'ils vont se marier dans le calme. Non. Jamais. Ce sont les fanfares. Ce sont les fanfares que vous voulez voir. J'ai fini, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le maquillage aussi vous plaît. En fait, si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis maintenant, on se revoit dans une prochaine vidéo. Et restez chez vous si vous ne voulez pas attraper Koro Koro qui va vous tuer. Bye.